Je pense que c'est vraiment un facteur de performance, la nutrition en ski alpinisme, tout simplement parce qu'on a besoin de s'alimenter pendant la course. Donc c'est hyper important d'avoir le produit approprié et d'avoir des produits qui sont faciles à prendre, faciles à digérer, faciles à mâcher si on a besoin de prendre du solide, ou alors si on veut quelque chose d'assimilable plus rapidement, d'avoir quelque chose qui, comme les gels qui s'assimilent super vite, ou comme les boissons. Sachant que le ski alpinisme, c'est vraiment les sports les plus importants au niveau de dépenses énergétiques, plus important que le ski de fond ou que le cyclisme. On a des épreuves qui, en Coupe du Monde, c'est 1h30, mais après, on peut aller sur des épreuves qui sont très très longues, jusqu'à 7 heures de course. Le froid, la neige, sont des contraintes qu'il faut prendre en compte. Donc, plus de dépenses énergétiques, bien sûr, donc plus d'apports. Les gels liquides sont tout à fait appropriés pour avoir un ravitaillement tout au long de la course, car ils ne vont pas geler. Dans un premier temps, je me suis tournée vers Oversteam pour la gamme vraiment large en fait. Je voulais avoir déjà des produits adaptés à tous les efforts. Pour moi, c'est important d'avoir une grande palette de saveurs différentes parce qu'on en prend tellement et puis je m'entraîne tous les jours. Donc si je peux pas varier, j'arrive à un moment où je sature sur la saveur. Donc au début, c'est vraiment ça qui m'a attirée vers Oversteam. Donc les produits que j'utilise le plus souvent, c'est le gâteau sport avant chaque course pour pouvoir avoir une bonne gestion et ensuite pendant la course. La boisson Hydrixir longue distance pour vraiment avoir un apport énergétique tout au long de la course. Alors, mes produits, on va dire les produits favoris, c'est la gamme bio des barres dattes, banane dattes. Donc sur du court, ou en général, je prends toujours l'Hydrixir ou le Malto en boisson. Sur du court, je vais prendre plus des gels que généralement je dilue dans une petite gourde. Donc en fait, ça me fait juste une gourde et c'est tout prêt, quoi. J'ai pas besoin d'ouvrir deux gels puisque j'ai ma petite gourde qui est prête. Et puis sur du long, voilà, je vais prendre la barre banane date en priorité, les barres Amélix, c'est que j'apprécie vraiment beaucoup. Et dernièrement, j'ai découvert la barre Perf & Délice chocolat qui est pas mal aussi. Donc j'ai choisi les produits Oversteam, c'est tout d'abord pour leur qualité nutritionnelle, la diversité des goûts, des textures. Et pour moi, c'est vraiment un des facteurs clés, c'est surtout qu'on retrouve avant, pendant et après la course le produit qui va bien pour le moment. Donc on ne se pose pas de questions et ça nous aide vraiment dans tous ces moments-là. On travaille un petit peu avec la marque, c'est vrai que j'ai vraiment apprécié le rapport, la relation, parce qu'il y a vraiment un échange, il y a une dynamique dans le sens où il y a vraiment une recherche d'amélioration des produits. Et Oversteam fait vraiment intervenir ses athlètes. Et personnellement, c'est vrai que ça me plaît, cette relation. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.